pour changer, hein. Mais bon, je me suis dit, allez, Sybille, prévois, on sait jamais. Donc, franchement, je regardais les dates, hein, parce que 2022, j'ai pris pour 79 centimes une mayonnaise classique. Une, deux, trois. 79 centimes. Allez hop, c'est fait. Chaque fois, j'ai pas de mayonnaise. J'ai retrouvé ça quand. Ça me rappelle quand j'étais petite. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il y a 73% de céréales. Voilà. À l'époque, je crois que ça s'appelait BN. Je sais pas si vous vous souvenez. Et franchement, j'adore. Je mettais avec du beurre. Et mon frère me disait toujours, mais Sybille, tu mets du beurre, mais à la limite, c'est pas une tartine au beurre, c'est une beurre à la tartine. Je mettais ça de beurre et puis la tartine, enfin la tartine, mais je mettais ça de beurre. J'adorais. 1,19€. J'ai acheté des choses pas chères. Hein. J'ai repris juste un petit paquet parce qu'il m'en reste encore. Yaourt à la clémentine et au citron vert. C'est une pure tuerie de chez Mami Nova. 1,35€. Trop bon. Ensuite, je sais pas, j'ai acheté deux paquets. J'étais persuadée que j'avais pris un paquet. J'en ai pris deux, c'est pas grave. 1,51€ le paquet de deux tranches. 1,89€ à Auchan. La belle vie, bien sûr. J'ai pris du chocolat. Parce que le chocolat, c'est la vie. Chocolat noisette raisin. 2€. Alors par contre, c'est 40 centimes de plus, mais c'est pas grave. 2,80€, je les ai payés, celui-là et celui-là. J'adore. Mais franchement, j'adore le chocolat. J'adore le chocolat lambin. Avec la moustache. Bref, voilà. Je vous ai dit le prix. 1,49€, je crois. Ou 45, je ne sais plus. Des gerblés. Alors, c'est moelleux chocolat noir. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça, mais ça a l'air super bon. Je regarde les dates 2022. Vous avez la sauce tomate, parce qu'on ne sait jamais ce qui nous arrive. Je me dis. Moi, je fais des pâtes. Voilà. Alors, tomate, sauce tomate fraîche. Alors, j'ai décidé, je vous dis franchement, je n'en parle plus. C'est terminé, je n'en parle plus. Maintenant, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'étais sur les TikTok, j'ai fait 300 TikTok. J'ai même désactivé les commentaires parce que le but, ce n'est pas de parler, c'était de montrer. Au début, j'échangeais, après, j'échange plus parce que sinon, ça prend trop de temps. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que j'arrête. Hein. Maintenant, il faut être positif parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Mais il vaut mieux être positive le temps qu'on peut l'être. Voilà. Donc, moi, j'ai fait des cartes. J'ai vu que le pass ne passera pas. Ça, c'est sûr. Je l'ai vu. Depuis le début, je dis que le pass ne passera pas. C'est un ressenti. Maintenant, c'est mon ressenti. Qu'on va récupérer notre état de droit. Maintenant, on n'en parle plus. Alors, 1,19€, ma petite salade. Mais je vous dis, c'était pas cher du tout. Hein. Voilà, 1,19€. De la Florette laitue iceberg. D'un 19, à chaque fois, ça finit par 9, je ne sais pas pourquoi. Mais si, c'est parce que c'est du marketing. Au lieu de faire 1,20€, c'est 1,19€. Hens, la pulpe fine de tomate, où j'ai payé 1,15€. Ou 19, je ne sais plus. 1,15€, je crois. Voilà. Pour faire une cuisine, du poisson, enfin, on verra. J'ai repris celle-ci parce que j'en ai encore, mais je préfère acheter, voilà, être sûre. 1,80€. C'est de la mousse. J'ai commandé aussi à Zoo Plus. Je ne sais pas si vous connaissez Zoo Plus. Je n'ai jamais parrainé qui que ce soit à Zoo Plus d'ailleurs. Eh non, mais j'ai l'impression que mes cheveux, ils sont. Eh, franchement, bref, j'ai l'impression qu'ils sont plus longs là que là. Bon, c'est pas grave. Et du coup, à Zoo Plus, j'ai commandé du Farmina, mais ça coûte cher. J'ai payé 21€ des croquettes. J'en ai acheté deux paquets. J'ai lui acheté des comme ça pour 12€. Il y en a je ne sais pas combien. C'est beaucoup plus intéressant à Zoo Plus. Et cette fois-ci, je n'ai pas pris de jouet. Par contre, je lui ai pris une troisième, 2,49€. Une troisième petite gamelle qui est super top. Voilà, elle aura trois gamelles. Ah! On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai mal au genou en plus, hein. Je fous tout à la casse, moi. 1,59€. J'ose plus dire que ça finit par 9. 1,59€. Ça, une tuerie. Je vous jure, les pick-up au chocolat noir, une tuerie.
Là, j'ai trouvé Isiocat Olive. J'ai payé 3,90 et c'est à l'huile d'olive. Voilà, ben, Isiocat Olive, c'est à l'huile d'olive. N'importe quoi, moi. Avec 20% d'huile d'olive vierge extra. Bah, bon, c'est pas du tout l'huile d'olive. Il n'y a que 20% dedans. Il n'y a que 20% d'huile d'olive. C'est moi ou quoi? C'est marqué huile d'olive Isiocat. Bon, bah c'est pas grave, je vais l'utiliser, hein. Voilà, 3,90. Là, j'ai fait une affaire en or. Mais quand je vous dis que c'est une affaire en or, j'ai pas compris d'ailleurs. Parce que des fois, ils se trompent sur les prix. Je l'ai payé 73 centimes. Même dans Lidl, c'est pas 73 centimes. 73 centimes. Panzani aux herbes de Provence. Tomates de saison 100% fraîches. Du coup, j'en ai pris 3. J'aime pas les pots en verre, hein, vous le savez. Hein. L'autre fois, mon fils, il dit: Maman, t'as pas de sauce soja? Je lui dis: Ben non. Du coup, j'ai acheté de la sauce soja, mais ça va pas lui plaire parce que j'ai acheté de la sauce soja sucrée, j'adore. Donc, je mettrai peut-être dans mon poisson. Je l'ai payé 1 euro et des bananes. Des olives. Des petites olives, je les ai payées 79 centimes. Ça, j'ai payé 1,10 € des Lulu fourrés chocolat. Et ça, c'est 1,15 € ou quelque chose comme ça. C'est moins d'1,20 €. Voilà. Des galettes Pleyben. Le beurre, alors là, j'ai halluciné. Il n'est même pas à 2 euros. Il y a 1,70 € quelque chose comme ça, de Bridel. J'ai pris. Et vous savez bien que j'ai toujours un cadeau. Et j'ai pris les 4 tomates. Voilà. Et vous savez bien que j'ai toujours un cadeau. Eh bien là, j'ai eu un cadeau qui a l'air super sympa. C'est Leave-In Treatment Morning Street. Alors, c'est un hydrate et restaure. Voilà. C'est une crème pour se laver, je crois, le visage. Oh, ça sent bon. Voilà, ça, c'est un échantillon. On choisit l'échantillon qu'on veut à la belle vie. La dernière fois, j'ai eu ça. Mais là, j'avais le choix entre ça, donc j'ai préféré changer un peu. Voilà. Alors, on va faire le petit théâtre. D'accord? Vous êtes prêts? J'arrive. Oh là 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 là. J'espère que ça va. Oh, j'ai oublié de vous montrer quelque chose parce que Sybille, elle a acheté un truc, mais elle n'ose pas le montrer. Je vais vous le chercher. Elle veut pas vous le montrer, hein. Je vous jure que je copie pas. Hein. Je vous jure que je copie pas. J'ai acheté au moins il y a 3 jours. Mais c'est mon papier de toute ma vie. J'utilise que celui-là. Et encore, là, je vais peut-être changer. Voilà. À l'aloe vera. Je prends que celui-là. Et du coup, je me suis dit, eh ben Sybille, tu vas faire des réserves. Eh ben voilà. Ah, j'ai de l'essuie-tout aussi. Voilà. Voyez? Ça va. Oh, mais pourquoi elle prend cette voix? Pourquoi tu prends ma voix? Oh, pardon. Eh ben oui, elle fait des réserves. Elle ne voulait pas vous le dire. Chut. Voilà. Et puis elle a acheté 8 paquets de litière pour son chat. Ben ouais. Parce qu'elle est un petit peu inquiète. Hein. Moi, je pars à Dubaï bientôt. Alors, franchement, je vais quitter la France, c'est sûr. Hein. Elle va rester là. Mais moi, je vais quitter la France. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est moi qui finis. Je vous fais plein de bisous. Merci à mes nouveaux abonnés. Vous êtes vraiment des abonnés en or. Mais vraiment, vous voyez, je représente toujours la liberté. Et tout simplement, pour vous dire, I love you. Ich liebe dich. Te quiero, ti amo. Bye bye. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez, partagez, commentez. Allez, ciao. Bye bye.